Eu é. Liebe Geschwister in Christus, Bienvenue en Christ. Ich begrüße euch im Namen Jesus Christus von Nazareth. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Wie gewohnt, comme nous le faisons d'habitude, fangen wir an mit Lobpreis und Anbetung. Nous allons commencer par l'adoration et la louange. Amen. Amen. Au-dessus des puissants, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages. Bien avant le monde, tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connu, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Vater, wo wir danken dir für deine Anwesenheit mit unter uns. Dieu Père, nous te disons merci pour ta présence parmi nous. Vater, wo wir wissen, dass ohne dich können wir gar nicht. Oh Dieu Père, nous savons que sans toi nous ne pouvons rien. Wir sind abhängig von dir, Vater. Nous sommes dépendants de toi, Père. Wir danken dir für das, was du heute für uns vorbereitet hast. Nous te disons merci pour ce que tu as préparé pour nous ce soir. Heiliger Geist, Esprit Saint, ich danke dir. Je te dis merci. Ich kann nicht ohne dich. Sans toi, je ne peux rien. Ohne dich bin ich ein niemand. Sans toi, je ne suis personne. Heiliger Geist, sprich, damit ich auch sprechen kann. Esprit Saint, parle afin que je puisse parler. Heiliger Geist, wirke mächtig heute. Saint-Esprit, agis de manière puissante ce soir. Gebrauch mich, um jemanden zu heilen. Utilise-moi pour guérir quelqu'un. Gebrauch mich, jemand zu befreien. Utilise-moi pour délivrer quelqu'un. Gebrauch mich, jemand zu segnen. Utilise-moi pour bénir quelqu'un.
ich stelle meine Seele, meinen Leib, meinen Geist dir zur Verfügung. Oh, je mets mon âme, mon esprit et mon corps à ta disposition. Danke, Heilige Geist, dafür. Merci, Esprit Saint, pour cela. In name Jesus Christus. Au nom de Jésus Christ. Amen. Amen. Liebe Geschwister in Christus. Bien-aimés en Christ. Das Thema heute ist Gehorsam. Le thème d'aujourd'hui est l'obéissance. Gehorsam. L'obéissance. Als ich angefangen habe, dieses Thema zu vorbereiten. Lorsque j'ai commencé par préparer ce thème, ich hatte viel geweint. J'ai beaucoup pleuré. Ich habe mich erinnert, mein Leben, wie mein Leben früher war. Je me suis rappelé de comment ma vie était auparavant. Und wie mein Leben heute ist mit Christus. Et comment elle est aujourd'hui avec Christ. Früher war ich sehr ungehorsam. Auparavant, j'étais très désobéissante. Ich hatte immer nur getan, was ich denke. Et j'ai toujours fait ce que moi j'avais pensé. Ich hatte nie die Wille Gottes gefragt. Et je n'avais jamais demandé d'après la volonté de Dieu. Und ich hatte nie die Wille Gottes gemacht. Et je ne faisais pas aussi la volonté de Dieu. Alles was mir in Kopf kam, ist das was ich tut. Et tout ce qui me venait à l'esprit, c'était ce que je faisais. Und ich habe gesehen, wie ich viel gescheitert habe. Et j'ai vu comment j'ai échoué dans beaucoup de choses. Ich bin auf die schiefe Bahn gelandet. Je suis tombé sur le mauvais chemin. Aber mit der Gnade Gottes. Mais par la grâce de Dieu. Heute tue ich die Wille Gottes. Aujourd'hui, je fais la volonté de Dieu. Und ich habe gesehen, wie mein Leben heute ist. Et je peux voir comment ma vie est devenue. Mit der Gnade Gottes. Avec la grâce de Dieu. Deshalb hatte ich viel geweint. C'est pour ça, c'est pourquoi j'ai beaucoup pleuré. Das Thema ist Gehorsam. Le thème est l'obéissance. Jeder Mensch wurde mit den Wünschen geboren, die irgendwann auftauchen. Et tout homme est né avec des désirs ou souhaits qui, à un moment de la vie, apparaissent. Und wir möchten, dass diese Wünsche in unser Leben erfüllt. Et nous voulons que ces désirs s'accomplissent dans notre vie. Der Wunsch, so wie ein Wunsch, einen Partner zu haben. Peut-être comme le désir d'avoir un partenaire. Der Wunsch, zu heiraten. Le désir de se marier. Der Wunsch, Kinder zu bekommen. Le désir d'avoir des enfants. Der Wunsch, unabhängig von seinen Eltern zu leben. Le désir de devenir indépendant de ses parents. Der Wunsch, ein Diplôme zu bekommen. Le désir d'avoir un diplôme. Und der Wunsch, eine Arbeitsstelle zu bekommen nach dem Studium. Et aussi le désir d'avoir aussi un travail après avoir fini ses études. Um alle das zu erreichen, hatte Gott für uns einen Plan gemacht und einen Weg vorbereitet. Et pour pouvoir atteindre tout cela, Dieu a préparé un plan pour nous et a tracé un chemin pour nous. Gott hat einen Weg für uns vorbereitet, den wir gehen müssen, um das, was für uns schon vorbereitet hat, zu bekommen. Et Dieu a déjà préparé un chemin pour nous que nous devons prendre afin de pouvoir voir accomplir tout ce qu'il a prévu pour nous. Aber sehr oft lenken wir Gottes Plan ab, lenken wir Gottes Weg ab. Et très souvent, nous rejetons le plan de Dieu. Nous rejetons son chemin. Und wir folgen unseren eigenen Wegen und Plänen. Et nous suivons nos propres chemins, nos propres plans. Aber die Bibel lässt uns verstehen in Isaiah 55, Vers 8. Mais la Bible nous laisse comprendre dans Isaïe, chapitre 55, verset 8. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Liebe Geschwister in Christus. Bien-aimés en Christ. Damit Gottes Plan in unser Leben erfüllt wird, das Erste, was wir tun müssen, ist zu gehorchen. Pour que le plan de Dieu s'accomplisse dans notre vie, la première des choses à faire est d'obéir. Gott spricht immer zu uns. Dieu nous parle toujours. Gott spricht zu unser Herz. Dieu parle à nos cœurs. Gott spricht zu uns durch Träume und Visionen.
Dieu nous parle à travers des rêves et des visions. God spricht zu uns durch die Bibel, durch seine Worte. Dieu nous parle à travers la Bible par sa parole. God spricht zu uns durch seine Propheten. Dieu nous parle à travers ses prophètes. God spricht zu uns durch unsere Geschwister. Dieu nous parle aussi par voix par nos sœurs et frères. God spricht zu uns durch Ereignisse. Et Dieu nous parle aussi à travers des événements. Wenn wir Gottes Plan folgen, lorsque nous suivons le plan de Dieu, die Freude ist danach sehr, sehr groß. Et la joie qui s'ensuit est très grande. Liebe Geschwister in Christus. Bien-aimé en Christ. Wenn Gott dir spricht und du dir nicht sicher bist, dann frage ihm eine Bestätigung. Lorsque Dieu te parle et que tu n'es pas sûr de ce qu'il t'a dit, alors demande-lui une confirmation. Frage Gott, dass dir bestätige, was dir sagt. Demande à Dieu de bien pouvoir te confirmer ce qu'il t'a dit. Frage Gott, dir die Bestätigung zu geben, was dir sagt durch deine Schwester oder durch seine Worte oder durch seine Propheten. Demande à Dieu que ce qu'il t'a dit, qu'il te donne la confirmation, soit par un frère ou une sœur, soit par un prophète, soit par quelque chose d'autre. Ich gebe euch ein Zeugnis. Je vous donne un témoignage. Ich hatte meine Bibelschule im Bibelseminar Bonn gemacht. J'ai participé à l'école biblique, au séminaire biblique de Bonn. Und es gab Zeiten, wo wir ein Praktikum in einer Gemeinde in Ausland machen müssen. Et il y avait aussi le temps où nous devions absolver un stage à l'étranger. Und ich hatte mich für das Land Mali entschieden. Et je me suis décidé pour le Mali. Mali ist ein Land in Westafrika. Le Mali est un pays de l'Afrique de l'Ouest. Es ist nicht meine Heimat. Ce n'est pas mon pays d'origine. Aber ich wollte dahin, weil ich etwas Neues entdecken wollte. Je voulais aller au Mali parce que je voulais découvrir de nouvelles choses. Ich möchte nicht in meine Heimat gehen, weil dort habe ich viele Vorteile. Je ne voulais pas aller dans mon pays d'origine parce que là, je pensais que j'avais beaucoup d'avantages. Aber in der Nacht, Gott begegnet mich in einem Traum. Et dans la nuit qui a suivi, Dieu est venu vers moi à travers un rêve. Und er sprach zu mir, dass ich nicht nach Mali sollte, sondern nach Togo. Et Dieu m'a dit de ne pas aller au Mali, mais plutôt au Togo. Na Togo, dahin wo ich nicht wollte. Au Togo, là où je ne voulais pas aller. Das ist da, Gott möchte, dass ich hingehe. C'était là où Dieu voulait que j'aille. Als ich wahr wurde, hatte ich wieder gebetet und frage Gott, dass er mir eine Bestätigung gibt. Et lorsque je me suis réveillé, j'ai prié, j'ai demandé à Dieu de me donner une confirmation. Ich hatte Gott gesagt, Vater, wenn das deine Wille ist, dass ich nach Togo muss, wenn dieser Traum von dir ist, dann bestätige es mir. Et j'ai dit dans ma prière, oh Père, si c'est ta volonté que j'aille au Togo, si ce rêve que j'ai eu vient de toi, alors donne-moi la confirmation. Liebe Geschwister in Christus. Bien-aimé en Christ. Wenn wir Gott nach Bestätigung fragen, lorsque nous demandons à Dieu une confirmation, dann müssen wir geduldig auf ihn warten. Nous devons l'attendre avec beaucoup de patience. Weil Gott ist souverän et mag was er will. Parce que Dieu est souverain et il fait ce qu'il veut. Er antworte wann er will. Et Dieu te répondra quand il voudra. Aber eine Sache ist sicher, er wird dir die Antwort geben. Mais une chose est sûre, il te donnera la réponse. Er kann dir die Antwort heute geben, kann morgen sein, er kann nach einer Woche sein. Il peut te donner la réponse aujourd'hui, peut-être demain et peut-être un peu plus tard. Aber sei geduldig und warte auf ihn. Mais sois patient et attends-le. Mit der Gnade Gottes gab mir Gott eine Bestätigung an meine Frage und durch, wieder durch Träume. Et par la grâce de Dieu, j'ai reçu la confirmation de Dieu et cette fois-ci encore par un rêve. Und der Traum war folgendes. Et voici ce rêve. Ich stand auf die Straße an die Ampel. Je me tenais dans la rue au carrefour au feu tricolore. Und die Ampel wurde grün. Et le feu est devenu vert. Und ich sah an die Ampel
an lehrer für uns, der uns die Neue Testament im Bibelseminar Bonn unterrichtet hat. Et là, j'ai vu un enseignant qui nous avait enseigné sur le Nouveau Testament dans le séminaire biblique. On a sagt zu mir, Jacqueline, jetzt ist der Ample grün, jetzt darfst du gehen. Et il me disait dans le rêve, Jacqueline, pour toi, le feu s'est allumé vert. Maintenant, tu peux aller. Was ich wahr wurde, wusste ich sofort, dass diese Bestätigung an meine Träume. Et lorsque je me suis réveillé, j'ai su immédiatement que c'était la confirmation de ce que j'avais demandé à Dieu. Ohne Frage zu stellen, habe ich mich entschieden, nach Togo zu gehen, wie der Herr mir das gesagt hat. Et sans plus poser de questions, je me suis décidé à aller au Togo comme le Seigneur l'avait demandé. Liebe Geschwister, wenn Gott hinter dir steht, läuft alles gut. Oh bien-aimé, lorsque Dieu est derrière toi, tout se passe très bien. Es war die Zeit eines, es war die Sommerferien, wo die Tickets normalerweise teuer sind. C'était le temps d'été où normalement les tickets, les billets d'avion sont très chers. Aber da Gott hinter mir stand, fand ich preiswerte Tickets, dann bin ich damit nach Togo geflogen. Et parce que Dieu était avec moi, j'ai trouvé un ticket moins cher et j'ai pris mon vol pour aller au Togo. Und ich hatte meine Praktikum in einer Gemeinde gemacht, den Gott mir in der Träume gezeigt hat. Et j'ai fait mon stage au Togo, dans une église au Togo, comme Dieu me l'a montré. Und liebe Geschwister in Christus. Bien-aimé en Christ. Es war eine schöne Zeit, die ich nie vergessen werde. C'était vraiment un moment merveilleux que je n'oublierai jamais. Ich bin Gott dankbar, dass ich nach Togo gegangen bin. Et je suis très reconnaissant envers Dieu parce que je suis allé au Togo. Liebe Geschwister in Christus. Bien-aimé en Christ. Wenn Gott zu dir spricht, gehorche. Lorsque Dieu te parle, obéis. Gehorche ohne Frage zu stellen. Obéis sans poser de questions. Gehorche selbst wenn diese dir schwierig erscheint. Obéis bien que cela te paraisse difficile. Gehorche selbst wenn das nicht deine Wille ist. Obéis bien que cela n'est pas ta volonté. Gehorche vollkommen. Obéis complètement. Gehorche sofort. Obéis immédiatement. Wenn du so machst, dann wirst du Gottes mächtige Hand erleben. Si tu agis ainsi, tu vivras la main puissante de Dieu. Amen. Amen. Jetzt werden wir in der Bibel gehen. Maintenant, nous allons prendre notre Bible. Wir werden Geschichte von einer Frau lesen. Nous allons lire l'histoire d'une femme. Eine Frau, die gehorsam war. Une femme vraiment qui était très obéissante. Und durch ihre Gehorsam wurde Gottes Plan erfüllt. Et à travers son obéissance, le plan de Dieu s'est réalisé. Und diese Frau heißt Ruth, die Moabiterin. Et cette femme s'appelle Ruth, la Moabite. Wir lesen in Ruth, Kapitel 3, Vers 1 bis 5. Nous lisons cela dans Ruth, chapitre 3, versets 1 à 5. Und ich lese das Wort Gottes im Namen Jesus Christus. Je lis la parole au nom du Seigneur Jesus Christ. Und Naomi, ihre Schwiegermutter, sprach zu ihr: Meine Tochter, ich will dir eine Ruhestatt suchen, dass dir wohl geht. Sieh, Boas, unser Verwandter, bei dessen Mägden du gewesen bist, verfällt diese Nacht Gäste auf der Tänne. So bade dich und salbe dich und leg deine Kleider an und geh hinab auf die Tänne. Gib dich dem Mann nicht zu erkennen, bis er gegessen und getrunken hat. Wenn er sich dann schlafen legt, so merkt dir die Stelle, wo er sich hinlegt und geh hin und decke seine Füße auf und leg dich hin. So wird er dir sagen, was du tun sollst. Sie sprach zu ihr, alles, was du mir sagst, will ich tun. Amen. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Naomi, sa belle-mère, lui dit, « Ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu fusses heureuse. Et maintenant, Boaz, avec les servants duquel tu as été, n'est-il pas notre parent ? Voici, ils doivent vanner cette nuit les ors qui sont dans l'air. Lave-toi et oint-toi.
puis remets tes habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Et quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche. Ensuite, va, découvre ses pieds et couche-toi. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. Elle lui répondit, « Je ferai tout ce que tu as dit. » Ruth va à une Moabiterine. Ruth était une Moabite. Irman va aux Israël. Et son mari était originaire d'Israël. As Irman verstorben war, lorsque son mari est décédé, Ruth hat sich geweigert, zu ihrer Familie zurückzukehren. Ruth avait refusé de retourner vers sa propre famille. Ruth folgte ihrer Schwiegermutter und ist sie zu einem Volk gegangen, das sie vorher nicht kannte. Ruth a suivi sa belle-mère et allait vers un peuple qu'elle n'a pas connu auparavant. Sie ist bei ihrer Schwiegermutter geblieben und hat auf dem Feld gearbeitet. Et elle est restée chez sa belle-mère et a travaillé dans les champs. Einen Tag ruft ihre Schwiegermutter sie an und sagt ihr Folgendes. Un jour, sa belle-mère l'appela et lui dit ceci. Meine Tochter, ich möchte, dass du heiratest, damit du glücklich wirst. Ma fille, je voudrais que tu te maries afin que tu sois heureuse. Und die Schwiegermutter gab ihr Anweisung, die sie folgen muss, um einen Mann zu bekommen. Et sa belle-mère lui avait donné des instructions qu'elle devait suivre afin de recevoir cet homme. Ohne Frage zu stellen, warum, wieso, hat sie einfach gehorsam geantwortet, ich will tun alles, was du mir sagst. Et sans poser de questions, pourquoi et par quoi, elle a répondu, je ferai tout ce que tu as dit. Ruth ist mit der Tradition von Moab groß geworden. Et Ruth a grandi dans la tradition moabite. Sie ist nicht verpflichtet, die jüdische Tradition zu folgen. Elle n'était pas obligée ou contrainte de suivre la tradition juive. Sie ist nicht verpflichtet, den Mann, den ihre Schwiegermutter ihr vorgeschlagen hat, zu nehmen. Elle n'était pas obligée d'accepter la proposition que sa belle-mère lui a faite de prendre cet homme. Sie ist nicht verpflichtet, die Pläne, die ihre Schwiegermutter ihr gemacht hat, diese Pläne zu folgen. Elle n'était pas aussi obligée de suivre les plans que sa belle-mère a fait pour elle. Sie kann sie davor ablehnen. Elle pouvait refuser ses plans. Wenn wir in Ruth, Kapitel 4, Vers 5 bis 6 lesen, lorsque nous lisons dans Ruth, chapitre 4, du verset 5 au 6, na jüdische Tradition, es gab eine Löser, der näher verwandt ist als Boas. Selon la tradition juive, il y avait un homme qui avait le pouvoir de rachat et qui était plus proche que Boaz. Normalerweise, dieser Mann, es ist der, die die Frau Ruth als Frau nehmen muss. Et selon la tradition, cet homme avait le droit de prendre Ruth comme femme. Dieser Mann, der muss normalerweise Ruth als Frau nehmen. Cet homme devait prendre Ruth comme sa femme. Aber er hat abgelehnt. Mais il a rejeté. Er hat abgelehnt, Ruth als Ehefrau zu nehmen. Et il a rejeté de prendre Ruth comme femme. Liebe Geschwister in Christus. Bien-aimé en Christ. Wenn dieser Mann, der normalerweise Jude ist, der normalerweise seine Tradition gehorchen muss. Et si cet homme qui était juif et qui devait suivre sa tradition. Wenn er abgelehnt hat, dann darf die Moabiterin auch die Vorschläge ihrer Schwiegermutter ablehnen. Mais s'il lui a rejeté le fait de prendre Ruth comme sa femme, alors Ruth la Moabite avait aussi le droit de rejeter aussi les propositions de sa belle-mère. Aber sie war gehorsam. Mais elle a obéi. Sie sagt, alles was du sagst, will ich tun. Elle a dit, je ferai tout ce que tu as dit. Ruth nahm Boas. Et Ruth a pris Boas. Und die Heirat. Et ils se sont mariés. Und Gott hat die beiden Kinder geschenkt. Et Dieu leur a donné des enfants. Gott hat sie einen Sohn geschenkt. Dieu leur a donné un garçon. Und der Sohn heißt Obed. Et le garçon s'appelle Obed. Obed gebar Isaïe.
Obed a engendré Isaïe. Und Isaïe gebar der König David. Et Isaïe a engendré le roi David. David, der Mann nach Gottes Herz. David, l'homme selon le cœur de Dieu. David, der den Goliath getötet hat. David qui a tué Goliath. David, der die meisten Psalmen in der Bibel geschrieben hat. David qui a écrit la plupart des psaumes dans la Bible. Und unser Herr Jesus Christus ist auch ein Nachkomme David. Et notre Seigneur Jésus-Christ est le rejeton de David. Alléluia. Amen. Durch die Gehorsam von dieser Frau ist Gottes Plan erfüllt worden. Et à travers l'obéissance de cette femme, le plan de Dieu s'est accompli. Liebe Geschwister in Christus. Bien-aimé en Christ. Wenn Gott hinter dir steht, läuft alles gut. Lorsque Dieu est derrière toi, tout se passe très bien. Ich habe eine Frage an euch. Et j'ai une question à vous poser. Wenn Ruth, die Moabiterin, die Vorschläge von ihrer Schwiegermutter abgelehnt hat, könnte Gottes Plan in Erfüllung gehen? Si Ruth, la Moabite, avait refusé ou rejeté le plan de sa belle-mère, est-ce que le plan de Dieu allait s'accomplir? Gott stand hinter diesem Plan auch. Dieu était derrière ce plan aussi. Und diese Frau war gehorsam. Et cette femme a obéi. Liebe Geschwister in Christus. Bien-aimé en Christ. Es ist gut, dass wir Gott gehorchen. C'est bien que nous obéissons à Dieu. Gehorchen, selbst wenn wir nicht verstehen. Obéir quand même nous ne comprenons pas. Gehorchen, selbst wenn diese uns schwierig erscheint. Obéir quand bien même cela nous paraît très difficile. Gehorchen, selbst wenn das nicht unser Wille ist. Obéir quand bien même cela n'est pas notre volonté. Amen. Amen. Lass uns beten. Prions. Vater Gott. Dieu Père. Wir danken dir für deine Worte. Nous te disons merci pour ta parole. Heilige Geist, wir bitten dich. Esprit Saint, nous te prions. Gib uns den Geist der Unterscheidung. Donne-nous l'esprit du discernement. Damit wir wissen, was von Gott kommt und was nicht. Afin que nous sachions ce qui vient de Dieu et ce qui n'est pas de lui. Heilige Geist, hilf uns zu gehorchen. Esprit Saint, aide-nous à obéir. Gehorchen. Obéir. Die Wille Gottes zu tun. De faire la volonté de Dieu. In Jesu Namen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Liebe Geschwister in Christus. Bien-aimés en Christ. Jetzt sind wir in der Zeit des Gebets. Nous sommes venus au moment de la prière. Wenn du Gebete anliegen hast, si tu as besoin de prière, schreib das. Ich lese das vor und gemeinsam werden wir dafür beten. Écris-nous tes points de prière. Moi, je vais le lire et ensemble, nous allons prier pour cela. Und wenn du deine Gebete anliegen schreibst, et dans le temps où tu nous écris tes points de prière, ich werde auch beten. Je vais prier aussi. Mein Gebetsanliegen ist, dass wir gemeinsam beten für die Kinder und Jugendlichen. Oui, mon souhait, mon désir ce soir est d'abord que nous prions pour les jeunes et les enfants. Viele Jugendliche sind rebellisch geworden. Beaucoup de jeunes sont devenus rebelles. Sie kennen nicht, was gehorsam sein, heißt. Ils ne connaissent plus ce que l'obéissance. Oft tun sie nur, was sie möchten. Et le plus souvent, ils ne font que ce qu'ils veulent. Lass uns gemeinsam für die Jugendlichen und die Kinder beten. Prions ensemble pour les enfants et les jeunes. Heiliger Geist, ich übergebe dir die Kinder und Jugendlichen in deine Hände. Esprit Saint, je te recommande les enfants et les jeunes. Im Namen Jesus Christus bete ich, dass jeder rebellische Geist verschwinde. Au nom de Jésus Christ de Nazareth, je prie que tout esprit de rébellion quitte ses enfants au nom de Jésus. Ich bete, Heiliger Geist, dass der rebellische Geist verschwinde jetzt sofort im Namen Jesus Christus. Au nom de Jésus Christ, je prie que tout esprit de rébellion soit enlevé au nom de Jésus. Und Heiliger Geist, ich danke dir, dass du Kinder neu fühlst. Et Esprit Saint, je dis merci parce que tu renouvelles les enfants et tu les remplis de nouveau. Dass du sie neu fühlst mit Gehorsam,
mit deinen Früchten im Namen Jesus Christus von Nazareth. Merci Esprit Saint, parce que actuellement tu les renouvelles, tu les remplis au de l'esprit de l'obéissance. In name Jesus Christus. Au nom de Jésus Christ. Lass uns so beten für alle Brüder und Schwestern, die krank sind. Prions aussi pour les frères et les sœurs qui sont malades. Die Bibel sagt in Matthäus Kapitel 10 Vers 8. La Bible nous dit dans Matthieu chapitre 10 verset 8. Heil Kranken, wecke Tote auf, reinige Aussätzige, treibe Dämonen aus. Umsonst habt ihr empfangen, umsonst gebt. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Liebe Geschwister, wenn du krank bist, oh bien-aimé, si tu es malade, wenn du leidest, si tu souffres, leg deine Hand, wo es dir weh tut, und ich werde für dich beten. Pose ta main sur la partie où tu sens des douleurs et je vais prier pour toi. Wir haben eben über Gehorsam gesprochen. Et il y a de cela, nous avons parlé de l'obéissance. Gehorche nur, ohne Frage zu stellen. Obéis seulement sans poser de questions. Ich bin nicht derjenige, der dir heilen will, sondern der Heilige Geist wird dir heilen. Je ne suis pas celui qui va te guérir, mais c'est l'Esprit Saint qui va te guérir. Leg deine Hand, wenn du Kopfschmerzen hast, dann leg deine Hand auf deinen Kopf. Si tu as des maux de tête, alors pose ta main sur ta tête. Wenn du Knieprobleme hast, dann leg deine Hand auf deine Knie und ich werde für dich beten. Si tu souffres des problèmes de genoux, alors pose ta main sur ton genou et moi je vais prier pour toi. Amen. Amen. Heiliger Geist, Esprit Saint, ich danke dir, dass du jeder, der seine Hand hingelegt hat, wo es ihm wehtut, dass du sie heilt. Esprit Saint, je te dis merci pour ton chacun que tu guéris à ce moment, là où la personne a posé la main, que tu enlèves la douleur maintenant au nom de Jésus. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass heilbar und unheilbar Krankheit gehe im Namen Jesus Christus von Nazareth. Oh Esprit Saint, je te merci parce que en ce moment, les maladies curables ou incurables dégagent maintenant au nom de Jésus. Ich bin dir dankbar, Heiliger Geist, weil alle Schmerzen gehen im Namen Jesus Christus von Nazareth. Oh Esprit Saint, je te merci parce que en ce moment, les douleurs disparaissent au nom de Jésus Christ de Nazareth. Heiliger Geist, ich danke dir, dass die Dämonen fliehen im Namen Jesus Christus von Nazareth. Oh Esprit Saint, je dis merci parce qu'en ce moment, les démons s'enfuient au nom de Jésus-Christ. Danke Vater, dass du deine Kinder heilt. Merci Père, parce que tu guéris tes enfants. Danke für die vollkommene Heilung. Merci Seigneur pour la guérison complète. Danke für die vollkommene Befreiung im Namen Jesus Christus von Nazareth. Merci Seigneur pour la délivrance complète dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Danke Jesus für alles. Merci Seigneur Jésus pour tout. Wenn du Frau bist, si tu es une femme, und du hast Kinderwünsche, et tu as le désir d'avoir des enfants, es ist egal, welche Diagnose die Ärzte dir gesagt haben, ça n'a pas d'importance le diagnostic du médecin, es ist egal, was man dir gesagt hat, ça n'a pas d'importance ce qu'on t'a dit, es ist egal, welche, wie alt du bist, ça n'a pas d'importance ton âge, gehorche einfach, obéis seulement, leg deine Hand auf deinen Bauch und ich werde beten für dich im Namen Jesus Christus, pose ta main sur ton ventre, je prie pour toi au nom de Jésus. Heiliger Geist, oh Esprit Saint, die Bibel sagt, la Bible dit, durch die Kraft, deine Kraft, die Kraft des Heiligen Geistes wurde Maria schwanger. Oh, par ta puissance, Marie est devenue enceinte. Ich bete im Namen Jesus Christus von Nazareth. Je prie au nom de Jésus Christ de Nazareth. Jede Frau, die Kinder wünschen hat, dass du sie Kinder gegeben hast. Que toute femme qui a un désir d'enfant, que tu donnes des enfants en ce moment. Alle Hindernisse gehen im Namen Jesus Christus. Que toutes les barrières tombent au nom de Jésus. Alle Krankheit verschwinde im Namen Jesus Christus von Nazareth. Que toutes les maladies disparaissent au nom de Jésus Christ de Nazareth. Vater, ich danke dir dafür. Père, je dis merci pour cela. Ich danke dir, dass du jemanden seine Tränen abwischst. Je dis merci parce que tu es face à quelqu'un, ses larmes. Ich danke dir, dass du diese Trauertage von jemanden zu den Freudetagen verwandelst. Je dis merci, Seigneur, parce que tu as transformé des jours de douleur en jours de joie.
Im Namen Jesus Christus. Au nom de Jésus Christ de Nazareth. Herr, wir danken dir dafür, für das, was du tust. Oh Seigneur, merci pour ce que tu fais. In Jesu Namen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ja, schau ich mal, ob jemand ein Gebetsanliegen geschrieben hat und ich das nicht gesehen habe. Je voulais encore contrôler s'il n'y a pas quelqu'un qui a fait venir un point de prière. Quelqu'un a écrit. Priez pour nos enfants qui se marient. Betet für unsere Kinder, die heiraten. Herr Jesus Christus. Seigneur Jésus Christ. Wir übergeben alle Kinder, die vorhaben zu heiraten, in deine Hände. Nous te recommandons tous les enfants qui ont prévu de se marier. Ich bete für sie. Je prie pour eux. Dass du ihre Herzen weicher machst. Que tu touches leur cœur. Damit sie gehorchen. Afin qu'ils puissent obéir. Damit sie deine Wille tun. Afin qu'ils puissent faire ta volonté. Nicht ihre Wille. Par leur volonté. Damit sie alles in deine Hände übergeben. Afin qu'ils puissent te recommander toutes choses. Die Pläne. Les plans. Die Vorbereitung. Les préparatifs. Alle die Entscheidung in deine Hand übergeben. Qu'ils te remettent toutes les décisions. Damit deine Wille ihr Leben geschieht. Afin que ta volonté se fasse dans leur vie. Ich danke dir, Vater, dafür. Je dis merci, Seigneur, pour cela. In name Jesus Christ. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Jemand hat geschrieben, bitte für Menschen, die Schwierigkeiten haben. Welche Schwierigkeiten? Quelqu'un a aussi écrit, priez pour ceux qui ont des difficultés. Mais je ne sais pas quelles difficultés. Aber Vater, überlege alles in deine Hände. Dieu Père, nous te recommandons tout. Du kennst uns alle besser. Tu nous connais mieux que nous-mêmes. Deshalb, Vater, du weißt, was die Schwester meint. Et parce que, Seigneur, là, tu sais ce que la sœur me dit par là. Und ich danke dir, dass du das getan hast. Et je te dis merci parce que tu l'as déjà fait. Ich danke, dass alle Schwierigkeiten gehen, Name Jesus Christus. Je te dis merci parce que toutes les difficultés disparaissent maintenant au nom de Jésus. Danke, Jesus, dafür. Merci, Seigneur, pour cela. Jesus, Name. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Priez pour tous les enfants malades dans le monde entier. Betet bitte für alle Kinder, die krank sind auf der ganzen Welt. Herr, übergib dir alle kranke Kinder in deine Hände. Oh Seigneur, je demande en tes mains tous les enfants malades. Und ich danke dir, dass du sie alle geheilt hast. Et je te dis merci parce que tu les as tous guéris. Ich danke dir, dass du sie besucht hast. Je te dis merci parce que tu les as déjà visités. Und ich danke dir, dass du sie geheilt hast. Je dis merci parce que tu les as guéris. In Jesu Namen. Au nom de Jésus. Egal welche Krankheit das ist. Quelle que soit la maladie. Egal was die Ärzte gesagt haben. Quelle que soit ce que les médecins ont dit. Egal ob heilbar und unheilbar Krankheit ist. Que la maladie soit guérissable ou inguérissable. Herr, ich danke dir, dass du sie geheilt hast. Je te dis merci, Seigneur, parce que tu les as guéris. Danke, dass alle Krankheiten verschwinden im Namen Jesus Christus. Merci, Seigneur, parce que les maladies disparaissent. Danke, dass die Schmerzen gehen im Namen Jesus Christus. Merci, Seigneur, parce que les douleurs s'en vont. Danke für die vollkommene Heilung im Namen Jesus Christus. Merci, Seigneur, pour la guérison complète au nom de Jésus. Danke für die vollkommene Befreiung im Namen Jesus Christus. Merci, Seigneur, pour une délivrance complète au nom de Jésus. Danke, Jesus. Merci, Seigneur Jésus. In Jesu Namen. Au nom de Jésus. Amen. 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 Liebe Geschwister in Christus, bien-aimé en Christ, ich möchte, dass wir ein Lied an den Herrn singen. Je voudrais que nous chantons un cantique à l'Éternel. You are the God who was, who is and is God. Jesus, and you are trust, my life is in your
Jesus, you are the miracle working God. You are Yahweh. You are Yahweh, Jesus. You are Yahweh. You are Yahweh, you are Yahweh, you are Yahweh, you are Yahweh, Jesus, you are Yahweh, Alpha and Omega. Remercions le Seigneur. Et je danke Dieu für alles. Seigneur, je dis merci pour tout. Danke für das, was du heute wieder für uns getan hast. Merci Seigneur pour ce que tu nous as fait ce soir. Wir danke Dieu für die Heilung. Nous te disons merci pour la guérison. Danke für die Heilung, die wir empfangen haben. Merci Seigneur pour la guérison que nous avons reçue. Danke für die Befreiung. Merci Seigneur pour la délivrance. Danke für die Segen. Merci Seigneur pour ta bénédiction. Und danke für deine Worte, das uns heute gegeben hat. Merci Seigneur pour ta parole que tu nous as donnée aujourd'hui. In Jesu Namen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Liebe Geschwister in Christus. Bien-aimé en Christ. Ich wünsche euch einen gesegneten Abend in Christus. Je vous souhaite encore une reste soirée bénie en Christ. Ich habe mich gefreut, mit euch das Wort Gottes teilen zu dürfen. Ça a été une joie pour moi de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous. Und ich bitte, dass der Herr euch segne. Et je prie que le Seigneur vous bénisse. In Jesu Namen. Au nom de Jésus. Danke für die Segen. Merci Seigneur pour la bénédiction. Wenn unser Herr Jesus Christus kommt, et s'il arrivait que notre Seigneur Jésus-Christ revenait heute Nacht, ce soir, cette nuit, dann sehen wir uns im Himmel. Alors nous verrons au ciel. Aber wenn unser Herr Jesus Christus nicht kommt, mais si ce n'était pas le cas, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Alors nous verrons la prochaine fois. Und ich wünsche euch eine gute Nacht in Christus. Et je vous souhaite une douce nuit dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Ich habe euch lieb. Je vous aime tous. Ciao. Au revoir.